On est arrivé, j'ai beaucoup couru. On va là. C'est Shiki Maiko. Elles ont accepté qu'on filme. Après pas mal de négociations, j'ai pris le plan à 400 €. C'est 400 € pour faire l'expérience d'une geisha. Mais évidemment, je vais pas faire des trucs de geisha, tu vois. J'ai aucune connaissance en la matière. C'est élégant. Ouais, j'ai un truc ici en dessous. C'est pas pour me mincir ou quoi, mais c'est pour quand mes cuisses frottent. Et bah, ça me fait pas mal. C'est peut-être le moment où on ferme la caméra en fait. C'est élégant, j'aime bien. Là, les chaussettes sont à ma taille. Hein. Bon, là, je peux pas filmer le moment où elle fait le maquillage, donc regardez bien mon visage. Par contre, tes dents, elles ont l'air hyper jaunes avec ça. Mais c'est pas que moi, je vous assure que c'est pas que moi. Genre, c'est vraiment, c'est tout le monde qui a ça. Ça me va bien quand même. Oh, les gâteaux. Là, on est en train de faire une Maiko. Maiko, c'est avant d'être geisha. Il y a plusieurs étapes pour être... C'est ce qu'elle vient d'expliquer. Il y a plusieurs étapes pour être geisha. Et en fait, les Maiko, c'est de 16 ans à 18 ans. Mais c'est ce que tu fais avant d'être geisha, tu vois, c'est ça. Mais normalement, bon, j'ai pas du tout l'âge. Normalement, c'est à partir de... entre 16 et 18 ans. Mais c'est pas grave. Écoute, elle a dit, c'est pas grave. C'est l'expérience. Elle dit, il y a plein de gens qui ont pas du tout l'âge de faire ça. Elle me peint les cheveux en noir. Oh, les gars, vous avez ça. Kimochi. Kimono. Je dois choisir deux kimonos. J'ai trouvé un que j'aime bien. C'est beau ça. Oh mon dieu, des escaliers. C'est l'heure du shooting. J'ai eu peur de la faire tomber, elle me dit appuie-toi sur moi, mais elle sait pas que je fais 80 kilos moi. Ah, je vais vous montrer un peu tout l'ensemble parce qu'elle m'a proposé. Elle m'a proposé de prendre un petit peu plus de détails vu que sur les photos on verra pas la même chose. Du coup, bah c'est parti. Regardez ça, c'est ce que j'adore ça. Ça c'est trop beau. Oh. Allez, attendez. On va enlever le kimono maintenant et on va changer parce qu'on va aller dehors. Mais le problème c'est qu'il pleut donc je suis embêtée. Elles sont trop sympas. Elle va serrer plus fort. Elle serre plus fort. J'avais demandé à ce qu'elle serre pas trop fort. Mais là, elle a dit, comme on va dehors et tout, il faut bien serrer et tout. Et en fait, le truc là, le petit machin là, ça s'appelle un potiri. C'est pour ça que je connaissais pas. Je dis, mais j'ai jamais eu ça sur mes kimonos, tu vois, le petit potiri. Et en fait, c'est typique des Maiko. J'imagine que si vous voyez ça sur une Maiko, bah, vous pouvez dire que c'en est une, tu vois, parce que sinon, il n'y a pas ce petit truc, le potiri. Je suis trop contente, j'ai appris un truc bien que n'y a pas. C'était mon midi. Maintenant je vais dehors. Ouh, j'ai super peur de tomber. Mais moi les escaliers. Ah, kawaii. Arigato. Akai desu ne. Kawaii. Atashi mo kawaii tomaimasu. Les chaussures, c'est pas évident parce que j'ai super grands pieds. Et même les larges, ça me paraît un peu petit. Mais après, elles sont toujours trop petites les chaussures. Quand tu vois dans les photos les geisha, les yukata et compagnie, c'est toujours trop petit. Ok,
on va faire les photos dehors là. Je suis trop contente parce qu'il pleut pas, on a vraiment de la chance. Elles sont vraiment trop gentilles de me laisser filmer parce que normalement c'est vraiment genre interdit de filmer. Il y a des enfants, zut, ils vont trop se moquer de moi. J'ai le nez qui gratte mais on sait pas faire de retouches ici donc j'ai intérêt à me tenir à carreau et à juste pas me gratter le pif. Nantendeska. Okobo. 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 Je suis en train de mettre des okobo et c'est extrême. C'est extrême parce que ça glisse super fort comme ça en avant. C'était ma bonne chance. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de touristes et tout, tu vois. Vu que c'est genre juste les gens qui sont dans le pays, tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup de... Il n'y a que des Japonais, en fait, ici. Et du coup, c'est pas des gens qui vont s'arrêter pour te prendre en photo et tout, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est cool. Chutsuni. Oh, daijoubu. Komenasai. Komenasai ne. Daijoubu. Vraiment trop génial comme expérience, c'est trop bien. C'est trop bien, elles sont trop gentilles, elles sont trop sympas, elles sont super douces et délicates dans tout ce qu'elles font. Bon, il y a quelques personnes, j'ai vu, qui s'arrêtaient pour me prendre en photo et tout, mais c'est vraiment pas grave parce que c'était vraiment... C'était pas de façon à rentrer dans les photos, donc ça c'est cool. C'est très fatigant de marcher comme ça parce qu'en fait ça tient ton dos droit. Ce qui est pas une mauvaise chose, je dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est très très bon pour la santé, je pense. Ça tient ton dos très droit. Et en fait, t'es un petit peu obligé de pousser dans les muscles du ventre pour te tenir correctement. Et ça, c'est... Ça flash, hein, c'est hyper flash ce truc, c'est trop beau. Regardez ça comme c'est beau. C'est magnifique. Ah, j'ai un pincement dans la poitrine, ça fait super mal. Ça tire super fort dans cette zone là, ça tire super fort sur les cheveux. Et du coup, la dame qui m'a reçue, je me disais bien mais je n'osais pas demander, tu vois, parce que ça se fait pas de demander d'où tu viens. En fait, elle est chinoise, la dame qui m'a reçue, et elle s'appelle Anne, Annie, comme Annie. Et elle parle anglais, donc ça c'est cool, parce que c'est pas facile. Bon, après je savais pas qu'elle parlait anglais vu qu'on a parlé en japonais, mais elle vient de me dire qu'elle parle anglais, donc je trouve ça vachement cool. Et vachement pratique si vous voulez venir tenter l'expérience. Et en plus elle accompagne, tu vois, elle est tout le temps là. Hi. Elles sont super bien organisées, elles savent exactement où elles vont, ce qu'elles font. Ok, on a fini les photos. On va encore faire le truc où on monte sur l'espèce de carrosse. C'est compris dans le prix. Et du coup j'ai vraiment envie de vous montrer la full expérience. Donc même si j'ai mal et qu'on est fatigué et qu'on transpire de partout, je sais pas si vous voyez la texture de ma peau là, à quel point on en est. Il faut quand même le faire, donc on le fait parce que nous on est à fond dedans. On est une bonne team avec les copines. Yeah yeah. C'est beau avec, regardez, avec le quartier derrière là. Est-ce qu'on se croirait pas genre dans un autre siècle? Ça tire super fort les cheveux parce qu'en fait elle a mis ma petite mèche là, je pense que vous avez vu dans le truc, et en fait ça tire la perruque en arrière. Mukashi no Maiko san te sa katsura shite tan desu ka ne? Maiko wa jige. Jige. C'est quoi? Ah, les Maiko, c'était leurs vrais cheveux, c'est ouf. Bienvenue. Ah, ça, bienvenue. C'est bon, il faut que je s'appelle. C'est bon. S'il vous plaît, quand il a des seuls. Bienvenue. Quand il a des seuls. Bienvenue. Yoko. Bienvenue des seuls. Maiko-san de. Maiko-san des. Ah, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Goku, caméraman. Oh, c'est quoi? Pas de quoi? Il est des ne. Belgi Maiko-han des. Maiko-san belge. Hi. Aïe. Cool, en fait t'as vraiment une promenade dans le prix avec les messieurs ici présents qui sont super gentils, super sympathiques. C'est trop bien, et du coup je vous prends avec, magnifique. Belle, magnifique. Magnifique. Belle, oh c'est quoi? Oh mais là les chatta. Oh, il est trop gentil. Itekimasu. Je savais pas que c'était ça, je pensais que c'était un shooting. En fait c'est une promenade. C'est ultra stylé. Ok, mais non, mais là je suis une vraie Maiko. Là je vais me reconvertir. C'est trop fun. Taihen desu ka ne? Ya, zenzen. Ah, yoko. Oh, arigatou gozaimasu.
j'ai dit c'est un peu lourd, non? Il dit non, non, vous êtes toute seule, alors c'est vraiment léger et tout. Mais je sais très bien que je pèse au moins le poids de deux personnes japonaises, donc... Madame de Lyon, oh, Bruxelles! Regardez, c'est Bruxelles, Belgique! Yeah! La Belgique représente! On dirait un truc dans un jeu vidéo. Je vais juste vous parler un petit peu du maquillage quand elle me l'a fait, parce que j'ai pas pu filmer juste cette partie là parce que il y a la technique et tout, tu vois, mais je pense que le temps de discuter et tout machin, de voir de quoi il s'agit et tout. Mais en gros, avant de mettre le blanc, elle m'a mis une espèce de couche de graisse sur la peau et c'était pour que le maquillage tienne bien, tu vois. Et en fait, je pensais vraiment qu'elle allait juste me peindre la tête en blanc, mais en réalité elle a mis plein de rose et tout autour des yeux, autour du crâne, tu vois. Je sais pas si vous voyez, je pense qu'à l'image ça se voit bien ici dans cette zone là en tout cas c'est sûr que mes cernes elles ont disparu du coup. Ça c'est cool. Elle m'a fait les sourcils en rouge, ce que je m'attendais pas du tout, et le rouge autour des yeux que j'aime trop. Bon, maintenant ça a un peu coulé avec la journée, mais ça a quand même bien tenu de manière générale, le maquillage, même les lèvres. Ça a méga bien tenu en fait, c'est hyper surprenant. Et en fait elle m'a maquillée jusque dans le dos, parce que mon dos est en fait globalement découvert, et je trouvais ça intéressant parce que je m'y attendais pas du tout. C'est à partir d'ici que le Matsuri de Gion commence. Le Matsuri de Gion, je sais pas c'est à quelle période, mais c'est super connu. Donc c'est super cool, j'aimerais bien aller un jour. Combien ça y est? C'est super chaud, ils doivent faire ça avec leur masque et tout. Moi j'arrive déjà pas à marcher avec mon masque. Du coup là on est dans le quartier de Ninenzaka. Et c'est dans ce quartier là qu'il y a beaucoup de trucs très culturels. Enfin, je sais que j'ai l'impression de pas du tout bien parler, enfin je suis désolée, je suis très fatiguée. C'est ça, c'est un quartier super connu à Kyoto, et c'est un quartier où c'est entre guillemets pas facile de prendre des photos. Tu peux pas prendre des photos de tous les bâtiments. Bon là je filme la rue, tu vois, donc je sais pas exactement où est-ce qu'il y a écrit le signe pas filmé et tout, et ça t'as le droit, j'ai demandé, ils ont dit t'as le droit de faire ça. Ouais, c'est genre un des quartiers les plus connus de Kyoto quoi, et c'est connu justement pour les geishas, les maiko et compagnie. Ça c'est une rue qui est souvent utilisée pour faire des dramas, mais à mon avis le quartier même est souvent utilisé pour faire des dramas ou des scènes de films quoi, parce que... Parce que évidemment, bah, ça correspond parfaitement bien, quoi. Kyoto no Cinderella, ですね. Oh, arigato gozaimasu. La Cendrillon de Kyoto, il dit. C'est trop mignon. Très bien. Les chocolats belges sont les meilleurs du monde, il dit. Morgan Hime. Ah, c'est princesse Morgan, il dit. Okini, Okini, c'est le merci de Kyoto. Voilà, c'est pas arigato, c'est Okini à Kyoto. Ah. Okini. Normalement, dans le plan, t'as une heure libre en fait avec le kimono et tout dans ta tenue pour pouvoir te promener un petit peu partout dans la ville et tout. Sauf que moi j'ai deux problèmes. Le problème c'est que j'ai une très mauvaise connexion internet aujourd'hui parce qu'on est le dernier du mois et que le premier du mois je reçois mes data. Et là j'ai pas de data et du coup j'ai peur de me perdre. Et si je me perds, c'est la merde, surtout fagoter de la sorte. Donc je choisis de rentrer. Alors. Adios. Thank you. Oh. En fait, les marches toutes longues de Kyoto, elles sont faites pour que quand tu portes un kimono, tu puisses faire des plus longs pas. Hop, hop, hop. Attaché. Oh, arigato. Il me dit que je suis trop mignonne. Je lui dis, en fait, là, je suis en train de rougir, mais tu peux pas le voir. Maintenant ça va faire du bien d'enlever tout ça. Allez, c'est l'heure du déballage. C'est l'heure du déshabillement. Ça
Yasemashita. J'ai maigri. Ok, maintenant on va enlever tout ça. Regardez les marques autour du cou et tout. Ouf. Regardez comme c'est mignon, on dit je craque dessus à chaque fois. Ah voilà. Elle, elle va faire mon dos et moi je vais faire mon visage. Du coup c'est parti. Oh, c'est très très huileux ça. J'ai mis de l'huile dans mes yeux. Ah, je sais plus voir, je vois flou. En tout cas, à partir de maintenant, je vais me laver le visage dans l'évier ici. Et je vais me laver les cheveux aussi, donc il y a des espèces de petits shampoings. On reçoit des petits essuies avec. Et c'est parti! Je vous promets, ça fait un bien fou de récupérer son visage, de récupérer le truc, mais c'est une expérience, les gars, incroyable. Les cheveux, c'est avec ça. Elle a pas précisé si je devais juste me laver les cheveux devant, si je devais me laver tous mes cheveux. Parce que là pour le moment je ressemble à ça quoi. Putain, ça donne un style hein. C'est la mode de demain ça. Bon allez, c'est parti. Oh, tout le noir qui tombe. Vous voyez que c'est quand même hyper confortable hein, comme expérience. Parce que même si tu te dis oulala, ça a l'air compliqué, on se fait maquiller et tout, tu vois qu'il y a l'équipement est là, tu vois. Donc même si tu décides ça le matin même ou le jour même, enfin tu peux le faire, tu vois ce que je veux dire. C'est parti complètement le noir. Ok, bon, je vais laisser sécher comme ça parce que j'ai la flemme de tout bien finir. Oh, ça fait du bien de se retrouver. Bon, en fait, là, ce qu'on a vécu ensemble, c'était une expérience de 4 heures environ. Et c'était merveilleux. Genre, vraiment, c'est fantastique. Il y a plein de choses qui viennent avec le set, mais après, t'es pas obligé de faire le set à 400 euros. Hein. Il y a des sets à 100 euros, il y a des sets à 200 euros. Enfin, il y a plein de trucs que tu peux juste te faire maquiller, voir ce que ça fait de porter le kimono et tout, de porter le maquillage, de à quoi tu ressembles et tout. Tu peux parler un peu avec les filles, elles, c'est comme là, si tu vois. Après, tu fais quelques photos en intérieur et c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, tu sentais qu'il y avait une réelle bonne volonté derrière de bien faire et de faire en sorte que je sois confortable et à mon aise. C'est la première fois qu'on me met un kimono et que j'ai pas mal et que je souffre pas, tu vois. La plupart du temps, c'est clac. Et je leur ai dit, en fait, moi, ça me fait mal au sein quand on me met des kimonos. Ils ont dit, ok, on va le faire un peu plus large. Et oui, c'est vrai, ça fait un peu plus, tu vois, on voit qu'il y a la forme de la poitrine et tout. Ce qui est censé pas être le but. Mais en soi, c'était vraiment... Au final, ça donnait bien, tu vois. Moi, je préfère être confortable, faire des belles photos, vivre une belle expérience que de juste être tip-top dans la norme et finalement, plus me prendre la tête avec ça et pas être bien, tu vois. Il descend. Excusez-moi. Arigatou gozaimasu. On peut garder les chaussettes. On peut choisir deux petites photos à mettre dans un strap pour le téléphone. Trop stylé. Sugoi. On reçoit plein de trucs, c'est trop cool. Quand tu crois que c'est fini, il y en a encore. C'est bon. Ok, les photos sont trop belles. Ça donne méga giga bien. On a reçu directement une USB avec, donc tu reçois directement les photos, c'est trop cool, je suis trop contente. Normalement ils impriment le livre sur le moment, mais là il y a une petite marque dans le livre, alors du coup ils m'ont dit me l'envoyer et tout, enfin bref. Ah, trop bien. Je viens de regarder. Bye bye. Oh, quelle belle expérience. C'était vraiment merveilleux. Et vraiment une hospitalité que j'ai rarement vue et connue. Je sais pas comment on sort. Oupsie. Regardez comme c'est beau. Je vous recommande, si vous pouvez vous le permettre, sincèrement, je pense que ça vaut un cadeau pour quelqu'un, une surprise pour quelqu'un. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Et c'était pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment, vous savez très bien que quand il y a un truc qui va pas, je le dis. Enfin, je suis pas payée pour dire ça, tu vois. J'ai vraiment passé une expérience vraiment géniale. J'espère que vous avez découvert des choses qui vous ont intéressé et que vous vous êtes dit, ah, ça peut être sympa comme expérience. Ou peut-être que juste vivre l'expérience à travers moi, ça vous a plu également. Je pense que la vie est belle. Regardez, la vie est trop belle. Regardez ça derrière moi. La vie est belle quoi. Je vous fais des énormes bisous.